Et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc bah, je vous souhaite un joyeux Noël. Et j'espère que vous êtes gâtés par le Père Noël. Donc bah oui, je sors la vidéo le dimanche soir pour vous souhaiter bah, les joyeux Noël à vous tous. Et puis bah, prenez soin de vous les amis. Donc bah, c'est le principal de prendre soin de vous et puis de sa petite famille. Donc bah, joyeux Noël à tous. Et puis j'espère que vous êtes gâtés par le Père Noël. Donc bah voilà, une petite pensée à vous. Donc c'est pour ça que la vidéo sort. La vidéo sort, bon bah elle n'est pas faite comme d'habitude. Donc parce que déjà d'une, bah, moi aussi je suis en famille. Et normalement bah, je suis parti mardi, donc les vidéos ils étaient tournées un peu en avance. Donc c'est un peu pour ça que j'accélère un peu le rythme sur la partie. Donc vous avez vu, bah, c'est la suite, bah, je sème, donc je savais pas trop quoi faire pour le petit cadeau de Noël. Bah voilà, bah, moi j'ai dit bah tiens, un message comme ça, c'est plutôt sympa en écrivant, en faisant un petit épisode bah, sur l'héritage du grand-père. Bon, malgré que l'intro, vous l'aurez tous reconnu, hein, c'est. Je crois que c'est mes débuts d'intro que j'aurais mis. Mais vraiment mes débuts d'intro. Voilà. Donc là je suis en train de semer du blé, le blé qu'on a. Le champ qu'on avait bah, moissonné, puis qu'on avait passé le broyeur, le culti et ramasser les cailloux. Donc j'ai changé la machine à cailloux aussi, voilà. Donc il n'y aura pas d'accéléré, ça va être une vidéo comme ça, vite. À la bonne franquette comme on dit par chez nous. En tous les cas, j'espère que vous allez très bien, que vous avez du beau temps. Je sais pas, je peux pas vous l'annoncer. J'espère qu'il y aura 1 mètre de neige au-dessus de la cheminée, comme disait mon ancien patron. Voilà. C'était la catastrophe. Donc j'ai essayé de vous faire un petit épisode de 20 minutes comme ça, sans en essayant de discuter avec vous. Donc normalement je suis pas loin de. J'essaierai de mettre des. Peut-être il y aura des posts Insta sur mon compte Insta de. Peut-être de l'usine de Massé si j'arrive à passer à côté ou s'il y a des choses à voir. N'hésitez pas, normalement le lien est en description. Voilà. Donc normalement bah, le mardi il y aura la map à coco qui doit sortir le 27. Et normalement le 29 au soir, je crois qu'on fera peut-être un petit live si franchement j'ai le temps. Personnellement je rentre le 28. Puis bah, je vais pas vous faire le 28 parce que sinon. Ça y est, j'arrive. J'arrive, ça y est, je me remets en live. Bon, je serai fatigué, j'aurai au moins 4-5 heures de route à faire. Voilà. Après tout dépend comment que ma petite crevette réagit à la route. Cela je peux pas vous dire, ça c'est le premier long trajet qu'elle fait. Donc voilà. Donc on va acheter aussi un nouveau rouleau dans la petite vidéo. Bah ouais, on a 39 000 euros. Du coup, la machine à production de pierre, j'ai dû la changer. Elle va nous coûter un peu plus cher, mais elle produit plus. Mais par exemple, elle a coûté un peu plus cher au porte-monnaie. Normalement, le rouleau il coûte 25 000 euros. Donc on devrait être bon en revendant l'autre. On n'est pas dans le négatif, hein, mon petit Romain. Et mon petit Matt, parce que je sais qu'il commence à surveiller mes tarifs aussi, lui. J'espère que la petite famille elle va bien au modérateur et puis à la team. Et voilà. Je préfère la gifite, mais je ferai le valaisan. Le pécloteux, comme dirait le terrible. Oh, d'où il l'a pris ce nom? C'est horrible. Pourquoi pas valaisan? J'espère qu'ils vont très bien. Moi, je sais que Papa Valaisan il va regarder les vidéos, mais bon, c'est de russe. Le terrible. Terrible est affreux. Peut-être de temps en temps, mais pas tout le temps. Hop là. Là, on va faire la fourrière comme ça, tranquille, à la blaise. Hop là.
C'est sûr qu'on est en 3 mètres, mais je kiffe bien le, bah, je kiffe le tracteur. Déjà, il est déjà 14h. Bon, on va le ruiner. On va le. Allez hop, ça c'est parti. Et cette clôture là, va falloir que je l'enlève. Et cet arbre aussi. Je pense que j'aurais su, j'aurais tombé cet arbre là, ça m'aurait fait 6000 euros de plus. Mais bon, je pense que notre ami Gifit, il a fait la mise à jour du point de vente. C'est pour ça que les prix de vente, à mon avis, et ils ont descendu, parce que je trouvais que aussi que les prix étaient un peu ouf. Hop là. Allez hop, on sème du blé. Ah non, c'est pas du blé. Ah, c'est de l'orge. Bonjour. Qu'est-ce que je dis comme connerie? Eh, parce qu'il va falloir des sous pour changer la moissonneuse. Et d'ailleurs, j'ai pas encore regardé la moissonneuse que mon petit Julien m'a envoyé, mais va falloir que je lui fasse un tour. Bon, pas en ce moment, mais j'ai regardé quand je vais rentrer, bien sûr. Donc, tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à activer la petite cloche. Ah, c'est vrai que j'aurais pu faire un peu de vue intérieur. Oh, quel méchant. Quel méchant. Eh ben non. Ah, ça se voit que c'est une boîte power shift, hein, ça prend les vitesses. Ça fait un petit moment que je suis en train de semer quand même. Ah, que j'ai fait ça, mais bon. C'est un plaisir de le faire. Hop là. Après, c'est vrai que là, il faudrait aussi qu'on change de semoir, parce que c'est vrai qu'on a rendu les champs, mais en 3 mètres, ça fait un peu long. Là, le champ 82 et 74, en 3 mètres, bah, c'est faisable, mais je ne vais pas me cacher, mais en... là, sur la partie, là, un semoir de 6 mètres, ça passe, hein, comme le petit Kerrerland du DLC. Du 19 que notre cher ami m'avait converti en cadeau. Et oui, le petit cadeau. En même temps, c'était un semoir que je kiffais sur le 19. Et comme j'avais testé la map, j'avais fait les tests de la map Larissum, si vous vous rappelez, sur le 19, et ben il me l'avait offert pour un cadeau de récompense. Quoi. En fait, c'est du donnant-donnant. Quand j'ai testé sa map, il me donnait un cadeau. Après, c'est lui qui a voulu. Moi j'en ai parlé aussi un peu, comme dirait mon petit Franchou, il a fait les roues. Mais lui il a fait la pince. Et je peux vous garantir que la pince elle est un peu plus que les roues quand même. Bonjour. C'est une pince, ça vous lâche pas. Ça, c'est dit. Je sens que après la vidéo, je vais avoir un appel téléphonique. Ah, Franchou, ah, qui me veut? Bon, bah, je sais ce qu'il veut. Il veut récupérer sa pince. Allez, hop. Est-ce qu'on aura fini de semer le champ? J'en sais rien, mais... En tous les cas, bah, merci de me suivre, puis je vous dis encore un joyeux Noël, et puis prenez soin de vous. Profitez de votre petite famille. Là, bah, ma fille, elle découvre bah, sa famille aussi, de mon côté, puis après elle découvrira sa famille à côté de la maman. Bah, pas tous, parce que bah, voilà, pas tous se réunir. Bon jeu, mais... C'est vrai qu'il va falloir que je donne du gasoil aussi aux 36-50, parce qu'il... Je vais commencer dans le rouge. Bon, il faudrait que je fasse la fourrière. En montant, comme ça. Hop là. On va redescendre. Maurice, hé, recule. Oh, Maurice, recule. Ah, j'ai pas de frein, au secours, mon capitaine. Mon capitaine. Bon, j'espère que vous êtes remis de la défaite de la Coupe du Monde. C'est vrai que... C'était un beau match quand même. On va me dire, j'ai fait mon escroc, j'ai regardé juste sur les scores sur internet à chaque fois. Quand que c'était les penalties, c'était un peu plus dur. Il a fallu que. Et je dis, je regarde pas, et j'aurais su, j'aurais peut-être pas dû regarder, j'aurais peut-être porté le bonheur. Mais bon, c'est comme ça.
pouvait pas faire autrement. Ok, merci aux nouveaux abonnés. Si c'est le cas, bah bienvenue à vous. Merci du soutien de la chaîne. Merci à vous. Donc, je sais pas ce qu'on fera. J'avais des idées, donc j'avais une idée de carrière survie, une carrière suivie et une carrière survie. Alors la carrière suivie, faut s'y prendre à Romain Jean, c'est de sa faute. Ah oui, bah faut toujours un coupable. C'est vrai qu'il m'a aidé, donné l'envie à le voir faire et. Après, je sais pas si il m'autorise, mais. Après, déjà, faudrait que j'arrive à finir ma map. Je pense que je la ferai dessus. Alors, pourquoi ça change de texture là? Alors là, je comprends pas du tout. Je comprends pas pourquoi ça change de texture, mais bon. C'est farming, on est quoi. C'est parce que. On va faire comme ça là, toc. On fait que des conneries. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Là. Puis là, ça va pas le faire parce que je repars du. Non? Si? Ah, les montées. Comme dirait mon petit papa, raison, regarde. Un verre à pâte jaune. Ah non, moi, papa, il est pas un verre à pâte jaune, il est un verre à pâte noire. T'es trompé. Regarde, même l'autre, c'est un verre à pas de riz. C'est pas un verre à pas de jaune. Ouais, c'est qu'à mon avis, c'est qu'on récupère l'autre texture comme quoi j'avais pas passé la machine à cailloux. Ça, c'est sûr et boule de gomme garantie. Hop là. C'est bien, c'est que ça consomme pas trop en blé. Hop là. Voilà. Bah ça fait quand même déjà 12 minutes qu'on fait ça. Bah ouais, j'ai pas fini en plus. Oh là là. Je sais même pas si j'aurai le temps de presser. Oh là 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 là. De passer le rouleau avec le nouveau rouleau. Bah je pense que c'est ce qu'on va faire les amis. Je pense qu'on va. Je vais finir la petite parcelle, le petit coin là. Je vais le mettre en place. Et mais on va aller chercher le trou. On va chercher le trou neuf. Voilà. Il reste combien de deux lignes? Alors, je finirai de mon côté les deux lignes. Ou soit le 29 au soir, je ferai un petit live aussi. C'est après. Il y a une nouvelle an, bah oui, bah ça c'est les. C'est ma période généralement. Je suis pas très présent non plus. Donc on va laisser celui-là là. On va aller. Ah bah non, pas dans la moissonneuse batteuse. On va aller dans celui-là. J'ai même pas préparé en plus. C'est vraiment. Comme dirait, tourner à la bonne franquette. Alors voilà, la machine à cailloux elle est là. La machine elle est là-bas. Donc pour lancer la production, il faut de l'eau et bien sûr des cailloux. Et ça vous fait de la chaux. Hop là. On attelle, on va atteler le petit rouleau, on peut dire bye bye au petit rouleau, il nous a bien servi quand même. Hein. Mais oui, on commence à avoir du bon matériel sur la partie, n'empêche. Hein, bon, c'est vrai que la moissonneuse, elle est vraiment. Mais tout ça, faut dire merci. Merci Clem. Je t'en voudrais ça un jour. Comme on dirait. Bah allez, c'est reparti. On file au magasin, on va acheter le nouveau rouleau et puis voir comment que ça se passe. La durée, je vais essayer de pas vous faire une vidéo trop longue non plus. Je vais pas vous faire une vidéo de 2 heures et puis. Hop là, regardez ce petit rouleau là. On en a fait des champs avec. Hein. Mais. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu l'emmener avec le petit. Avec le petit tracteur, mais le problème c'était pour ramener l'autre rouleau. Il est un peu plus grand, vous allez voir. Hein. Je l'ai pas acheté encore. Je ne l'ai pas acheté. On est à Saint-Julien.
on pense au petit Julien Salampin et on lui fait des bisous. Puis j'espère qu'il va bien et puis j'espère que son petit permis aussi. Normalement, je devrais récupérer. Normalement, je devrais recevoir mon nouveau permis. Pour vous dire qu'au mois de février, normalement, je recommence. Je repasse mon CE, normalement. Si j'ai pas de rage dedans, j'espère pas. On va le vendre. Une petite pensée à Romain, j'ai pas vendu le tracteur. Donc ça c'est pour mi-cadeau. Voilà. En rose bonbon. Il adore ça, il adore ça. C'est pour ça qu'il faudra, il faudra y faire un fall track en rose bonbon. Donc le petit rouleau. Rouleau. C'est pareil, broyeur, on a quoi comme broyeur? Faudrait que je... Ah oui, bah le broyeur, oui. Bah le rouleau, il est là. Bon, c'est calé, c'est le même que le Talbo, mais sauf qu'il est d'une autre couleur, et sauf qu'il est moins cher. On l'achète. Voilà. Et puis voilà. Toc. Bah que je passe quand même un coup de karcher. Hein. Bon, je sais qu'on est au mois de décembre en réalité, mais là on est au mois d'avril. Et bien ce... C'est bien de s'arrêter. Allez, let's go. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Allez. Alors, je sais pas s'il y aura des nouvelles maps. Ah, bah si, il y aura la map à coucou qui aura sorti normalement. Ah, bah non, ah, sur le 27. Que je dise pas de conneries. Parce qu'on me l'a déjà demandé en plusieurs fois. On m'a même eu l'audace de me demander si je pouvais y envoyer le lien de la map. J'ai dit non. Ah, non, pas du tout. Là. C'est un truc que je ferai jamais, surtout que il me l'avait envoyé en avance pour que je fasse des tests, alors là, c'est un truc que je n'accepterai pas en plus. Déjà d'une, il a eu confiance et puis voilà, et je veux pas casser la confiance comme ça. Que déjà d'une, ça se fait pas déjà. Allez. Bon, j'espère que mon petit drogué il a retrouvé sa culotte. J'espère qu'il va mieux. Oula! Ah bah là, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé la bouche. Là. Bon, j'ai même pas mis les gens en phare. Alors, on cache ça. Bon Dieu. Bah, c'est normal, hein, ça peut encore semer parce qu'on est toujours le même jour. Hein. J'ai pas passé de jour. J'ai rien fait du tout. Hop là. Alors là, par contre, 12 mètres, ça va être chaud passer entre les arbres. Je pense qu'il va falloir que je le coupe quand même, Starbird, à la... au milieu. Allez. Descends, Maurice. Alors, voilà. C'est parti. Ah ouais, mais je sens qu'il va falloir qu'on change de tracteur. Oh, ça devrait le faire. Allez. Par contre, là, ça va pas le faire. Est-ce qu'on essaye? Mais à vue d'œil. Et ça passe. Ouais. Par contre, pour faire l'arrondi là-bas, ça va être chaud. Hein. On va faire déjà les fourrières, comme ça, on aura la paix. Là, ça risque de faire du fail. Du Vince fail. Vincel, bonjour. Allez hop. On recule. Allez. Ouais, c'est pas assez. Il y a un petit morceau qui est pas fait. Hein. Je pense que dans l'angle là-bas, ça va être pareil. Hein. Sinon, voilà, il va falloir que j'enlève les bouchures. Ah ouais, mais. Ils sont tenaces ces bouchures. Ils vont pas s'arracher en même temps que qu'on passe au rouleau. Hein. Allez. Reprends l'élan. Ah ouais, mais là c'est. Ouais. Là ça va pas être tip top en fait. En fait on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et voilà, la petite astuce. J'ai pas fini.
Ah, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de temps quand je fais la vidéo. Pour vous dire, j'ai tout tourné le dimanche. Le montage, je crois que je commence le dimanche soir. Je parle là où j'avais pas fait de live le dimanche, que je dise pas de conneries, le 18. Le jour de la Coupe du Monde, là, juste. Donc, vous voyez. En même temps, j'étais un peu fatigué de la sieste, et puis j'ai pas fait de sieste, mais j'étais pas chaud pour faire un live. Et j'ai dit, en plus, j'avais du retard pour faire les vidéos. Bah, j'avais dit que je ferais des choses pour quand je serai en absence, alors je le fais. J'ai mieux décalé mon petit live du dimanche au lundi. Bon, bien sûr, je regarderai s'il y a une. Ah bah, de toute façon, on verra ce qu'on fera lundi. Vous verrez. De toute façon, vous aurez vu déjà ce que j'ai fait. Parce que je suis en train de baragouiner là. Et ces clôtures, franchement, ils commencent à me. Hein? Allez hop. Bon jeu. Ah! Gif! Bon jeu, mais sans gueule, j'ai fit. Allez, j'espère que le Père Noël il vous a gâté. Bon, ah oui, mais là j'ai pas fini la fourrière. Oh là 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 là. Juste pour vous faire un peu de changement d'activité, c'est vrai que. C'est vrai, dans une vidéo, c'est coup. Ah, faut essayer de varier et. Et comme là, je tourne un peu à l'arrache. À l'arrache, mais. Voilà. Comme on a mon habitude. Regardez, ça fait déjà 22 minutes quand même, on sème et on a semé et on a passé juste des tours de plombage. Bah donc moi je vais. Bah par contre là, comme j'ai dit le temps, bah ça me fait penser, bah Vincent, une vidéo, faut pas que ça soit trop longue. Donc bah prenez soin de vous, nous on va se quitter ici. Nous. Ah peut-être qu'on finira ça tiens le 29, parce que comme ça j'aurai un peu plus de. Voilà, on verra ça comment ça se passe. Hop, on va faire comme ça là. On va faire le tour de l'arbre comme ça. Ça sera déjà fait. Voilà, c'est vrai que le 3650, ça y fout le. Ça le fout à terre quand même. Là, ça va être la catastrophe, je sens. Oh punaise, ça passait à ras. Hop. Et on va repartir comme ça. Comme ça, je finis les fourrières après, les semis comme ça après. Je pourrais repartir tranquillou, tranquille. Puis je pense que je pourrais même faire la miniature comme ça. Ça sera pas mal, je pense. Ça me fera déjà une miniature parce qu'il faut que je fasse les deux autres d'avant. Bon allez, bah, prenez soin de vous. Encore joyeux Noël. Et je pense que toute l'équipe vous souhaite un joyeux Noël. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et pour ça, vous abonnez, partagez, likez et activez la petite cloche. Bisous, bisous.